Hola a todas y todos, soy Marta Trivi y hoy, además de videojuegos, vamos a hablar de arte y más concretamente de arte moderno y arte contemporáneo. Me acompañan una representante del Centro Pompidou, Emily, y un diseñador que además es el fundador de Gaming Society. Y vamos a hablar de la colaboración que han establecido entre ellos, un juego de puzzles que ya podéis encontrar tanto en Steam como en plataformas móviles y que, bueno, se ha diseñado un poco para difundir pues ciertos conceptos de arte. Ellos nos lo van a explicar. Antes que nada, los saludamos. Hola Emily, ¿qué tal? Salut Marta, très bien, merci beaucoup. Gracias a ti por estar con nosotros. Y también a Olivier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bonjour Marta, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias a los dos. Vamos a empezar directamente con la entrevista y me gustaría empezar preguntándole a Emily cómo este juego, cómo esta colaboración que habéis iniciado, este juego de puzzles, nos ayuda a relacionarnos mejor y a entender las obras que podemos encontrar en el Centro Pompidou. Alors, il faut savoir que Prisme 7 donc, permet au public de découvrir donc, le Centre Pompidou et ses collections, plus particulièrement donc, 40 œuvres majeures de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Ces artistes, en fait, on peut les retrouver dans un parcours qu'on intitule VIP, donc Very Important Person. Donc, c'est un parcours de visite proposé au musée, retraçant en fait, les artistes iconiques de l'histoire de l'art. Donc, parmi eux, notamment donc, Mondrian, Fromanger, Picasso, Matisse. Donc, c'est des artistes qu'on retrouve dans Prisme 7 et ils permettent d'avoir un panorama voilà, de cette histoire de l'art. Prisme 7 aussi permet plus particulièrement de mettre en lumière l'architecture du Centre Pompidou, donc réalisée par Enzo Piano et Richard Roger, à travers donc, le premier niveau de jeu. Pues ahora me gustaría preguntarte a ti, Olivier, tú eres diseñador y bueno, pues jugando al juego es fácil notar cómo el color tiene un papel especial y un papel destacado. Me gustaría que me explicaras un poco, pues eso, desde el punto de vista del diseñador, cómo se ha implementado y qué podemos encontrar. Alors, dans Prisme 7, vous avez 7 niveaux de jeu. Dans ces 7 niveaux, vous allez aborder les notions comme la couleur, comme la lumière. Et à chaque niveau, on a travaillé une thématique plus spécifique, par exemple la couleur fonctionnelle, donc qui donne du sens, qui associe des fonctions à des codes couleurs, comme dans le Centre Pompidou d'ailleurs. Vous allez avoir ensuite la couleur qui va être plus système, algorithme, donc comment on fait un code couleur pour proposer des expériences artistiques, dans tous les travaux de Vasarely à Molnar, dans tout ce travail-là. Et après, la couleur qui va être plus engagée. Donc, on est parti de Mondrian et on allait sur différents travaux jusqu'à Tata Fromanger. Ensuite, vous allez avoir la couleur qui est beaucoup plus émotion, notamment au travers du tableau de Picasso, l'Arlequin, qui justement, la couleur se complète grâce au noir et blanc, à l'absence de couleur. Et ensuite, vous avez aussi la couleur qui va travailler la partie mystique, avec du Kandinsky, bien entendu, qu'on a retravaillé à la version pop. Et ensuite, vous avez aussi la lumière qui est importante. On a travaillé autour de deux niveaux. La lumière qui va être beaucoup plus sur l'immersion et ensuite sur la lumière plus perception et matière. La verdad, aunque los videojuegos ya han entrado en los museos y hemos visto muchas exhibiciones centradas en videojuegos, no es tan normal que sean los museos los que decidan desarrollar un juego. Por eso mismo, Emily, me gustaría que me explicaras un poco cómo nace el proyecto y cuáles son pues quizá los desafíos o las problemáticas que encontrasteis a la hora de llevarlo a bien puerto, a la hora de sacar el juego. Alors, en fait, nous avons décidé de développer ce jeu vidéo Prisme 7 afin de garder un lien avec le public. L'idée, c'était de proposer une rencontre donc, inversée, c'est-à-dire que le musée aille donc, à la rencontre de ce public et ne pas attendre que le musée vienne au Centre Pompidou. Cet objectif lui, a pris une dimension en tout cas particulière, notamment lors de la période de confinement. C'était la période à laquelle nous avons lancé le jeu. Et l'idée aussi, c'était de développer un outil innovant, un outil numérique innovant qui sort de l'ordinaire et qui ne soit pas forcément rattaché à ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir des podcasts, des dossiers pédagogiques, des applications de visite guidées standard. Là, l'idée, c'était de développer un outil vraiment innovant. Il faut savoir que c'est le premier jeu vidéo, donc,
créé par le Centre Pompidou, mais à l'échelle internationale, créé par un musée. Et à travers ce jeu vidéo aussi, c'était de développer un format de médiation qui soit proche des pratiques des jeunes d'aujourd'hui qui ont souvent recours aux jeux vidéo, avec un format donc très ludique, très ludique et on va dire pédagogique, qui fait écho aussi à ce contexte scolaire, étant donné que Prisme 7 a été développé grâce au soutien du ministère de l'Éducation nationale. Et enfin, chose très importante pour nous, c'était l'objectif était de développer un jeu qui soit vraiment accessible à tous. Il faut savoir que Prisme 7 est donc gratuit et disponible en téléchargement depuis le site du Centre Pompidou. Et donc, cela reflète la volonté de notre institution de rendre l'art accessible à tous. Pues como ya habéis mencionado, el título tiene una intención pedagógica y precisamente por eso me gustaría preguntarte, Olivier, porque muchas veces relacionamos los juegos pues, con el entretenimiento y con la diversión, pero pues no es lo mismo desarrollarlos y diseñarlos directamente para que sean educativos. ¿Me puedes contar pues, un poquito cómo esta intención pedagógica ha afectado al diseño? Alors, la dimension pédagogique dans le jeu, on l'a travaillé au travers de la mécanique de jeu, en fait, le gameplay et le message. Ça, c'est un point très, très important qui nous tenait à cœur, c'était de partir du jeu vidéo et de savoir ce que le jeu vidéo pouvait apporter finalement à une présentation de ce que c'est que l'art moderne et contemporain et offrir un regard, un nouveau prisme en fait, d'analyse. Donc, on est parti de ça, on a inventé à chaque fois donc, ce premier personnage un peu moléculaire, qui avance au gré du doigt que l'on contrôle, donc qui est un personnage déjà non humanoïde, ce qui est très important, justement, on efface la présence du joueur pour qu'on soit directement immergé, et ensuite, on le parcourt, donc chaque niveau est une réinterprétation aussi des différentes problématiques. Donc la lumière fonctionnelle, on a repris les codes du centre, Pompidou, on a retravaillé les notions de voilà, d'air à travers le bleu, de rouge qui est pour la communication, etc. Dans d'autres niveaux, on travaille sur l'ombre projetée, on retravaille à la fois la notion d'intimité, la notion de perception comme les travaux de Hatoum. Donc on a vraiment travaillé des mécaniques de jeu au service d'un discours. Et ensuite, on déambule dans une espèce de visite aussi quelque part de ces univers-là où on récolte des éléments, des gemmes, et ces gemmes-là vont débloquer en fait des tableaux et toute une fiche pédagogique d'apprentissage, d'approfondissement. Et on est quasiment sur une logique qu'on appelle d'apprentissage tangentiel, c'est-à-dire j'aime, je fais plaisir, je manipule aussi pour ensuite m'intéresser à d'autres choses et peut-être faire sens. Et on s'est inscrit dans l'approche du centre qui est assez originale d'ailleurs, qui est d'abord faire et ensuite le relier à des œuvres. Là, c'est pareil, c'est des mécaniques de jeu où on joue, on interagit et on dit « Ah ben tiens, finalement, par la mécanique, par le geste aussi, on peut se relier à d'autres œuvres. » Et c'est ça qui était intéressant, c'était vraiment pas un texte, on écoute, c'est on fait et on redécouvre par le jeu. Pues, y esta ya es la última pregunta, me gustaría que contestarais los dos. Me gustaría saber un poco cuál ha sido la recepción del juego, qué os ha dicho el público, sobre todo porque los dos tenéis dos puntos de vista diferentes, estáis en dos esferas diferentes, así que contadme un poco, ¿qué han dicho los jugadores? Alors, nous avons donc reçu une très bonne réception de la part du public par rapport à Prisme 7. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons atteint 25 000 téléchargements, ce qui est assez considérable pour ce premier jeu vidéo créé par le centre. Et une bonne réception à la fois du public, du public lié au monde de l'art, mais aussi à un public plus gamer. Et donc, ça a été vraiment le challenge de créer en fait la passerelle entre ces deux mondes-là qui ne se cohabitent pas forcément. Dans une perspective proche, nous souhaiterons justement développer Prisme 7 sur la scène internationale afin de le rendre accessible en espagnol, en chinois et le développer notamment auprès de nos antennes et nos partenaires à l'étranger. Nous avons aussi l'objectif de développer un dispositif de présentation justement pour mettre en lumière aussi un peu l'envers du décor du projet, de mettre en lumière le processus de création et de présenter lors d'un événement donc, au sein du Centre Pompidou, donc lors de la Nuit des Musées, pour dévoiler un peu l'envers du décor du projet. Et pour ta part, Oliver, algo que añadir?
Oui, alors la réception a été évidemment, enfin, était vraiment bonne, et notamment déjà par l'industrie du jeu, des choses qui étaient un peu l'inconnu. Est-ce que mes confrères allaient aimer ça? Et on a été très très bien accueillis. On a été aidés par le syndicat ESL qui nous a aidés. On a été à la Paris Games Week, on a pris un stand où on a pu montrer le jeu, rencontrer différents publics. Enfin, ça a été vraiment un gros travail d'aller vers les joueurs qui finalement étaient très contents de découvrir ce monde de l'art. Qui en demande plus. Et ça c'est la meilleure chose, c'est dire, ah, mais on aimerait en savoir un peu plus, on aimerait découvrir davantage. Et ça, on est ravis. Et de l'autre côté, ce qui était aussi chouette, c'est que des personnes qui ne jouaient jamais aux jeux vidéo, qui étaient plutôt peut-être réfractaires ou bon, c'est pas pour moi, parce que c'était un sujet qui les touchait, c'est vraiment de l'art, ben, ont décidé d'y aller, ont joué et ont adoré en fait faire ça. Et donc, c'est la rencontre en fait de différents mondes grâce à ça qui a été vraiment mise en avant et qui a permis ben, un succès d'Steam et un succès de téléchargement. Pues esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por estar con nosotros, Emily. Merci, Martha. Muchas gracias también a ti, Olivier. Merci, Martha. Au revoir. Y muchas gracias a todos los que habéis estado viéndonos. Esto es todo y hasta la próxima.